Captez, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bon ben parti pour un petit bivouac et comme vous devez le savoir, aujourd'hui je vais pas être tout seul et j'ai la joie d'accueillir Bien. Salut à tous. Et puis bon là je vais vous faire un petit retourné de caméra parce qu'on est en train de préparer un petit café là tranquille pour avant de galérer là. Donc voilà, donc du coup là on a le café qui est en train de chauffer. Et du coup, vu que qu'on part en bivouac avec Philippe, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à Monsieur Mosquito. Voilà, donc du coup, tu vois, je t'avais promis un café Skito, ben voilà. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Donc du coup, on est arrivé sur le lieu de bivouac. Puis bon, ben, on va s'installer. Il y a Jamie qui prend du bois. Puis bon, ben... on vous reprend un petit peu plus tard. Bon, allez, moi, je vais y aller à la barbare. Allez, cache. Ça fume, ça fume. Ah. T'as un mosquito sur la tête. Putain, mais il est partout cet animal là. Ah bah c'est clair. Voilà. Dans le petit nid maintenant. À t'embrasse de l'air. Hein. Ah, ça commence à fumer. C'est mon sign. Commence à venir.
change pas de main, ça vient. Ouf, là j'ai un contre-jour méchant là. Ah yeah, joli. Ça fume un petit peu, mais bon, ça va le faire. Bah là, avec le bois qu'il y a, ouais, de toute façon, je pense que ça va le faire. J'aime bien ce système là, de... C'est pas grave, de toute façon, j'ai... Donc du coup, vu que le feu est allumé, présentation du repas de ce midi, donc du jambon persillé, pardon. Ensuite, petit clin d'œil à l'accent comtois, saucisse de Montbéliard et mourteau avec de la carotte, pommes de terre et le tout accompagné d'un bon Jean-Jean, d'un bon petit pastourin. Étant donné qu'on est en Bourgogne, autant en profiter. Ouais, mais tout à l'heure on va goûter autre chose aussi, parce que moi je suis une du Beaujolais. Ouais, donc du coup il y a Nico qui nous a rejoint. Donc du coup, salut. Puis voilà, bah, plus on est de fous, plus on rit, hein. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Bilen? C'est cool. C'est pareil, il faut pas monter un chevreuil pour ma gueule. Ah ben non. Une soirée, quoi. Oh, putain. Je vais pas la peindre, comme ça, c'est pas mal. Ah, tiens, pareil, je suis pas très bien coiffé. Ah bah c'est normal, je suis d'accord. Ah non, mais c'est l'élastique qui est au milieu. Qu'est-ce que putain, mais c'est quoi ce machin? Il y a un arbre, il est où? Il est où l'arbre? Oh, faut que j'arrête le... C'est quoi ça? Ouvrage. Allez, bon pastourin. Hein. Ça promet, ce soir, je vais bien dormir. Ça. Ah, je te préviens, je ronfle. Ça va. Ça va. Et moi, toi, je coupe du bois alors. Donc ça va. Il n'y a pas de souci. Tu vas voir. J'ai la tronçonneuse. Il va utiliser les sangliers et tout. J'ai la tronçonneuse avec moi. Bon, par contre, il y a du moustique qu'on a vu tout à l'heure. Ah bon, c'est pas grave. Faut une petite prise de sang. Moi je suis pas allergique aux moustiques. Moi non plus, alors. J'aime bien venir en... J'ai pas un sang à moustiques en fait. Ouais. Mmh. J'ai pas un sang. T'es fumeur aussi? Ah cool, on est ouais. Trois fumeurs. Cool. Comme ça, il y en a pas un qui va acheter son mégot par terre. Eh bon, ceci étant. Hein. Oh ben attends, c'est quoi ça? Jambon persillé. Ah oui, donc on va attaquer ton jambon alors. Oui, d'ailleurs, on va peut-être se mettre à table. Hein. Je vais sortir les 3-4 conneries que j'ai amenées aussi au cas où, comme ça c'est mieux. Bah attends, il y a Johan qui vient tout à l'heure aussi. Hein. Ouais, oui, donc, il y a mais non, mais que je reste, que je laisse pas tout dans le sac. C'est chiant. Bah moi, mon sac, on l'a pas touché encore. Hein. Tu sais, je vais dire, quand je te dis qu'on prend le temps, on prend le temps. Hein. Ah oui, oui. Non, oh, ça vaut peut-être pas le coup de faire une table pour une soirée. Bon, moi faut que je me fasse mon lit. Hein. Alors, du coup, je me mets là, moi par contre. Hein. Non, mais je peux le déplacer encore. Mais non, parce que Laurent, il est à la place là, mais en fait, c'était un bois mort. Pas de bol. Ouais. Pas de bol. au moins, il y a un coucou, tiens. Il n'y a plus mauvais. Ben non, mais au moins, on a du bois pour ça. Ah ouais, mais non, tu coupes d'abord. Ouais, mais il faut le couper pour avoir les effluves du... Mais quand même. Attends, tu vas voir, parce que moi, ce soir, c'est pareil. Oh, j'ai amené de la bouffe pour 4, moi. Attends, hein. Je voulais m'arrêter ce matin à faire des courses, et du coup, j'ai pris ce que j'avais chez moi, parce que j'ai dit, oh, sinon, je vais arriver là-bas, il va être 4 heures. En fait, ils ne savaient même pas manger, ils avaient pas les mêmes, les gars. Ah bah non. Donc, il y avait le temps, quoi. Pourquoi? Bah attends. Ouais. Oh, je vais partir de bonne heure et sous fin. Tu sais que je suis en vacances, moi. Moi, je suis en congé. Hein, donc, bon, bah ça va alors. Mais moi, je suis en week-end, j'avais envie de profiter aussi. Mais je rattaque lundi, par contre. Ah, ça ouais. Bah oui, je suis en vacances depuis lundi, depuis vendredi dernier, donc. Ça, c'est nettement moins marrant. Parce qu'à l'origine, je devais faire une rando. Non, à l'origine, je devais aller chez Pic à Glace. Ouais. À l'origine, je devais aller chez Pic à Glace. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Il a perdu son papa, donc.
Donc après, je m'étais rabattu sur une rando. Et puis il y a cet animal là qui m'envoie un message en me disant, tiens, est-ce que tu voudrais faire un bivouac tel jour? Alors sur l'instant, j'ai pas mis longtemps à me décider. Hein. Et sur l'instant, j'ai dit, ah, merde, j'ai une rando de prévu. Puis après, je me suis dit, bah, la rando, c'est pas chez moi là-bas. J'ai dit, allez hop, je monte à Dijon, c'est bon. Ah, bah. Ouais. Et puis dans la journée, j'ai commandé, j'ai réservé les billets et tout. Hein. Dans la journée, c'était fait. Ah ouais, comme ça c'est fait. Comme ça au moins c'est réglé, oui, on se pose pas la question. Ouais, je me pose pas. J'ai pris les billets. J'ai pris les billets, c'est bon, c'est mort. Ouais, bah des fois, c'est comme ça qu'il faut être, parce que des fois, comme moi les derniers temps, si tu encore ce matin, je me demandais si je venais. Ouais, si tu te poses trop de questions, au bout d'un moment. Voilà, du coup, on est en train de monter le camp. Du coup, il y a Abilene qui va faire un lit. Et Nico qui est en train de faire une table. Et puis bon, moi je mets. Je vais me mettre un peu par là. Bon allez, à un peu plus tard. Ouais, du coup il y a Joanne et Clément qui nous ont rejoint. Puis du coup on a bien avancé le camp. Et puis la Bienne qui va faire son lit. Voilà, on est à l'apéro. Content de vous d'abord rencontrer. Bon, santé hein, les mecs. Hein. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. Together.
soirée. On était 5, on a commencé à faire chauffer l'eau pour faire un petit café. Et Banni Choco, bien sûr. Donc du coup, voilà quoi. Avec les quartiers 3 étoiles de notre ami Milan et Nico qui font encore la grasse mat. On a donc du coup Dylan qui nous prépare du pain. On va essayer de préparer du pain. Ouais, je pense que ça va être super sympa. On va essayer. Encore une fois, on essaye. Ah, faut bien hein, qu'il ne tente rien à rien. Hein. Exactement. Ça va peut-être réveiller Nicolas. Hein. Ouais, on sait jamais, hein. Avec l'odeur du pain, les baniques. Ouais, on va voir. Là, il n'y a pas grand chose. On a essayé d'y foutre le feu à la bâche, ça marche pas. Hein. Il se réveille pas. Hein. Bon, hein. J'espère que ça va bien donner. Ouais. Pas de rigueur. Pareil, quand ils ont fait le grand bivouac, ils étaient 11, donc ça filmait. Mais tu voyais dans les arrière-plans qu'il y avait encore du monde, ils vaquaient à leurs occupations et tout ça, donc eux, ils faisaient pas attention du tout. Ouais, ouais. Et c'est beaucoup plus naturel, moi, je trouve. Mais après, si dans les montages, t'as un problème, que tu peux pas faire une belle vidéo et tout ça, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un bivouac ici. Enfin, pas ici, parce qu'on retrouvera jamais, mais peut-être une centaine de mètres plus loin. Quoi. Donc, du coup, on va finir de profiter quoi de ce bivouac. Puis je remercie encore Bilan d'être venu. Et puis Nico qui joue au bûcheron. Qui prépare le bois pour qu'on puisse faire les baniques. Donc voilà. Et puis je vous laisse. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine. Ciao. Ciao ciao.